Bienvenue à l'atelier d'Hatha Yoga pour délier les jambes. Aujourd'hui, je vous invite pour cette séance à avoir votre tapis, si possible deux blocs ou un bloc de yoga, une sangle soit de yoga ou de robe de chambre et une couverture. Pour commencer la séance, on va vouloir s'installer couché au sol pour faire une petite relaxation, nous permettre de se centrer sur notre respiration et pouvoir vraiment relaxer. Mais ayez avec vous pas trop loin votre sangle puisqu'on va l'utiliser quand même assez rapidement. Donc, je vous invite à vous coucher tout d'abord sur le côté pour transférer sur le dos. On veut relâcher les bras de chaque côté du corps, relâcher les jambes également et bien déposer la tête au sol. On veut prendre le temps ici tranquillement d'inspirer. Et sentir à l'expiration qu'on laisse le corps tranquillement se relâcher au sol, puisque nous n'avons pas besoin de forcer ici pour maintenir la position. Si jamais vous n'êtes pas confortable dans la posture, assurez-vous d'ajuster la position. Si votre tête n'est pas confortable, vous pouvez toujours ajouter la couverture, une petite épaisseur de couverture sous la tête. Je prends le temps ici de respirer doucement, de laisser la tête bien se déposer au sol, ainsi que les bras, le dos. Sentez le bassin progressivement qui se relâche en contact au sol, les fessiers détendus. Laissez doucement les jambes devenir lourdes. Prenez le temps de ressentir quelles sont les sensations présentes au niveau de vos jambes, au niveau du bas du dos également. C'est un grand impact, justement, au niveau du bas du dos. Si les jambes sont tendues, la musculature peut faire en sorte de créer des tensions dans le bas du dos. Ici, à l'expiration, je vais m'assurer de ramener les pieds largeur des hanches, les orteils vers le haut, comme si on poussait les pieds contre le mur. Et tranquillement, je vais fléchir la jambe droite et apporter la cuisse droite près du tronc. Je peux soit utiliser mes mains pour venir prendre l'avant de la jambe avec mes mains. Sinon, je peux choisir d'utiliser la sangle et de venir la placer au niveau de la jambe pour pouvoir efficacement tirer la cuisse près du tronc. La jambe gauche reste active au sol. La respiration est bien présente. À l'expiration, progressivement, je veux laisser le genou aller vers l'épaule opposée. Donc, j'incline légèrement la jambe pour me permettre de sentir l'étirement davantage dans le fessier. Je peux tenir toujours la jambe avec mes mains ou bien utiliser la sangle, toujours selon votre confort. J'essaie de sentir que la hanche s'abaisse ici pour amener le fessier vers l'extrémité du tapis et sentir vraiment que les deux hanches sont le plus stables possible. Et ici, tranquillement, j'inspire. À l'expiration, je vais venir déposer le pied au sol et étirer la jambe droite au sol. Je prends un petit instant pour relâcher les bras, le dos, les jambes. Et ressentir les sensations du côté droit par rapport au côté gauche. Comparer les deux côtés
pour ressentir l'effet vraiment de la posture. Ressentir à quel point déjà ça le fait du bien. Doucement ici, j'inspire, je ramène les orteils vers le haut, les pieds largeur des hanches. Je peux toujours me redresser pour vérifier que c'est bien le cas. Et je vais tranquillement ici fléchir la jambe gauche et apporter la cuisse gauche près du tronc. Main sur la jambe où j'utilise la sangle pour ramener la cuisse le plus près possible du tronc selon ce qui est confortable pour vous aujourd'hui. Et ici, doucement, j'inspire. Et à l'expiration, je vais vouloir ramener le genou vers l'épaule droite cette fois-ci pour ressentir l'étirement dans le fessier gauche. La respiration est bien présente. Je prends le temps de sentir l'étirement et d'être confortable. Ici, tranquillement, j'inspire. À l'expiration, je vais laisser le genou se redresser, déposer le pied gauche au sol et étirer la jambe gauche pour relâcher de nouveau. Ressentez à quel point ça le fait du bien à vos hanches, que votre dos est davantage détendu, les fessiers également. Beaucoup de tension qu'on ressent dans le bas du dos provient des fessiers, puisque les fessiers montent quand même très haut au niveau du bassin et viennent jusqu'au bas du dos, en fait. Ici, tranquillement, je veux ramener les pieds largeur des hanches, les orteils vers le haut. Et ici, je vais y aller avec la posture qu'on appelle Supta Padangusthasana. Donc, on veut fléchir le genou droit. Relevez le pied du sol pour venir placer la sangle près du talon. J'inspire, j'étire la jambe comme c'est possible vers le plafond. Je pense toujours à maintenir la hanche vers le sol, en fait, pas vers le sol, devrais-je dire, je m'imaginais debout vers l'extrémité du tapis. Pour vraiment sentir que les deux hanches restent stables et bien étirées ici, l'arrière de la jambe, l'arrière de la cuisse. Ici, on veut continuer de tendre la jambe, sentir le dos bien allongé également. Et on va vouloir ajouter un petit peu plus d'étirement au niveau de l'extérieur de la cuisse. Je vous invite donc à tenir les deux extrémités de la sangle uniquement avec la main gauche. Et on veut ouvrir ici le bras droit au sol. En gardant les deux fessiers bien en contact au sol, je ne fais qu'incliner légèrement la jambe vers la gauche. Le plus possible, j'essaie de maintenir la jambe, du moins la cuisse, si jamais le genou est fléchi, aligné avec la hanche. Ici, la respiration est toujours bien présente. Je sens toujours la hanche qui est abaissée, le fessier qui est vers l'extrémité du tapis. J'ai pas besoin d'incliner beaucoup pour ressentir l'étirement. On veut que ça reste confortable. Doser toujours l'étirement pour être bien. Faut pas qu'il y ait de douleur intense ici. À l'inspiration, je vais redresser la jambe doucement. Je peux reprendre la sangle avec les deux mains. Et expirer, tranquillement fléchir le genou, déposer le pied au sol. Et encore une fois, je veux relâcher ici. Les jambes, le dos. Les bras. Et je prends le temps de sentir à quel point ma jambe droite, elle est vraiment détendue et relâchée contre le sol. On a vraiment l'impression qu'elle rentre dans le sol par rapport à l'autre côté. Si jamais vous n'avez pas cette sensation actuellement, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas bien fait l'étirement. C'est que votre corps a en fait, réagit à sa façon. Donc, c'est important de ne pas juger la réaction de son corps.
de juste en prendre conscience et d'apprécier les sensations agréables qui font leur apparition. Ici, je veux replacer les pieds largeur des hanches, les orteils vers le haut. Je fléchis le genou gauche, je relève le pied et je place la sangle près du talon. J'inspire, j'étire tranquillement la jambe vers le haut. Encore une fois, le fessier ici gauche qui s'abaisse. Je sens les bras tendus, la jambe bien active et la jambe droite au sol également s'étire. Tranquillement ici, je vais prendre la sangle uniquement avec la main droite. Le bras gauche s'étire au sol à la hauteur de l'épaule. Je garde la jambe bien active et je l'incline tranquillement, très légèrement pour maintenir les deux fessiers en contact au sol. Donc, on n'a vraiment pas besoin d'aller loin pour bien ressentir l'étirement. Ici, doucement, j'inspire, je redresse la jambe. J'expire, je prends la sangle avec les deux mains, je fléchis le genou. Je prends le temps de déposer le pied au sol, de laisser la sangle complètement de côté et d'étirer ici les jambes, de relâcher une dernière fois ici les bras, les jambes, le dos au sol. Prends le temps ici de constater l'effet des postures exécutées de chaque côté, au niveau des jambes, au niveau des hanches également, ainsi qu'au niveau du bas du dos. À la prochaine expiration, ici, je vais vouloir tranquillement fléchir les genoux, apporter les pieds près des fessiers et se tourner tranquillement du côté de son choix en position fœtale. Ici, je prends le temps de me recroqueviller le plus possible, comme c'est confortable. Et à l'inspiration, tranquillement, j'ai poussé les mains contre le sol pour redresser le tronc. Ici, je vais prendre le temps de déposer les genoux au sol, d'amener les fessiers près des talons pour prendre la posture de l'enfant et tendre les bras le plus que je peux. Le front se dépose au sol, sauf si ce n'est pas possible, je dépose les mains l'une sur l'autre et je dépose le front sur les mains. À l'inspiration, je vais vouloir m'assurer de bien allonger les bras devant en gardant les fessiers près du sol. J'inspire, je redresse tranquillement les épaules au-dessus des mains, j'ancre les orteils au sol et j'expire ici, je vais pousser tranquillement en V inversé. Je prends le temps d'étirer les bras, le dos, les jambes. Et ici, je vais prendre le temps de piétiner légèrement sur place pour étirer les jambes. Donc, j'amène tranquillement le talon gauche vers le sol et je fléchis le genou droit. Et ensuite, je vais tranquillement de l'autre côté. J'alterne doucement d'un côté à l'autre comme c'est confortable. Je le fais une dernière fois de chaque côté. Et ensuite, je vais fléchir les deux genoux, regarder mes mains à l'expiration, je vais marcher vers mes mains. Ici, je relâche la tête en bas, les pieds largeur des hanches. Et j'expire tranquillement, je fléchis les genoux, je pousse les pieds dans le sol et je déroule lentement, vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. Je prends le temps ici de redresser la tête et de retrouver le dos bien droit. Par la suite, je vais vouloir me tourner dans le sens de la longueur de mon tapis
pour en fait ouvrir les jambes, mais juste avant, prenez vos blocs qu'on veut venir placer devant, donc au centre du tapis. Et ensuite ici, j'ouvre les jambes de chaque côté. Je veux m'assurer que mes poignets et mes chevilles soient bien alignés par rapport l'un par rapport à l'autre pour avoir la bonne distance entre les deux pieds. Mains sur les hanches, ici j'inspire, je pousse la poitrine vers le haut. Je relève les épaules et j'expire, j'apporte les épaules vers le sol. Tranquillement, je plonge vers l'avant et je viens déposer les mains sur les blocs. Ici, l'objectif, c'est de s'assurer qu'on maintient le poids bien réparti au niveau des pieds, autant à l'avant qu'à l'arrière. On n'a pas laissé les fessiers partir vers l'arrière puisque le poids est trop sur les talons, ni trop déporter le poids sur les mains pour pas justement désaligner la position des jambes, amener vraiment bassin, hanche, bassin, genou, cheville sur une même ligne. Et ici, on veut avoir le dos le plus droit possible. Donc, je suis dans cette position, j'inspire, je redresse légèrement la tête, la poitrine. Et à l'expiration, je veux laisser légèrement le tronc descendre un peu plus en maintenant le menton vers la gorge. Je respire bien ici, je tends bien les jambes. La respiration est calme. À l'inspiration, je redresse la tête, la poitrine, j'apporte les mains sur les hanches et j'expire, je redresse complètement. Ici, je m'assure de garder la position des pieds. Je veux pivoter le pied droit vers la droite. J'allonge, oui, bien les jambes, j'étire le dos, j'étire les bras. À l'expiration, je déporte les hanches vers la gauche et je m'étire vers la droite. Je dépose la main droite sur la cuisse, j'amène le coude gauche vers le haut. Si j'ai mal à l'épaule, je dépose la main sur la cage thoracique. Si c'est possible, j'étire le bras. Le regard est soit devant, soit vers le haut, comme c'est le plus confortable. Ici, je respire doucement, je profite de l'allongement qui se crée dans mes jambes, dans mon dos et dans mes bras. J'inspire, je ramène le regard devant, j'expire, je redresse le tronc. Ici, je tends bien les bras, je fléchis le genou droit, je m'assure que mon genou est bien aligné au-dessus de mon talon. Je garde les jambes bien actives, je pousse les pieds dans le sol et j'expire, j'apporte tranquillement l'avant-bras droit sur la cuisse et je pousse l'avant-bras dans la cuisse pour étirer tranquillement le bras gauche vers le haut. Je peux toujours déposer la main sur la cage thoracique au besoin. Je pousse bien les pieds dans le sol, je vais sentir le travail ici dans les cuisses, dans les jambes, c'est normal. Et j'inspire, je ramène le regard devant, j'expire, je redresse le tronc et j'allonge tranquillement la jambe en abaissant les bras. Je ramène ici le pied droit devant. Je veux pivoter le pied gauche vers la gauche. J'inspire, j'étire les bras, j'étire les jambes, j'étire le dos. Et j'expire, je pousse les hanches vers la droite et je m'étire vers la gauche. Je viens déposer la main sur la cuisse, j'amène le coude vers le haut, la main à la cage thoracique au besoin ou vers le plafond. Regard soit devant, soit tourné vers le plafond, vers la main. Respiration calme, je continue de pousser bien les pieds dans le sol. J'inspire, je ramène le regard devant. J'expire, je pousse les pieds dans le sol et je redresse bien le tronc. Je ramène les épaules et les hanches sur une même ligne. Et ici, je fléchis bien le genou devant. Donc, genou gauche bien aligné au-dessus du talon, toujours bien important. J'expire, je ramène l'avant-bras ici, bien en contact sur la cuisse et je pousse la cuisse dans la main. J'ai l'impression en fait que je tiens un cabaret dans ma main, que je veux qu'il soit stable, donc je ne veux pas laisser le bras descendre. Et j'étire tranquillement, si possible, le bras droit vers le haut. Regard soit devant, soit vers le plafond, comme c'est le plus confortable pour vous. Ne forcez pas la rotation de la tête si ce n'est pas confortable. Ici, tranquillement, j'inspire, regarde devant, j'expire, je redresse le tronc
et j'allonge la jambe, j'abaisse les bras et je ramène tranquillement les orteils vers l'avant. Je veux rapprocher talon vers l'intérieur, orteil, talon, orteil pour ramener les pieds ensemble. Et ici, je vais pouvoir laisser les blocs de côté. Je vais me replacer vers l'avant du tapis, les pieds largeur des hanches. Je pousse bien les pieds dans le sol. Je m'assure de ramener coccyx vers le sol, pubis vers le nombril pour garder le bassin stable et le bas du dos bien allongé. Je me grandis, j'essaie d'amener le sommet de ma tête vers le plafond, menton vers la gorge. Ici, tranquillement, j'inspire, j'allonge les bras vers le haut. J'expire, je plonge vers l'avant. Inspire, étire le dos droit, regard devant. Et j'expire, je viens déposer les mains au sol. Je fléchis bien les genoux. Ici, tranquillement, je vais glisser le pied gauche derrière sur la pointe des orteils. Et je vais déposer le genou arrière au sol, donc le genou gauche. Ici, si c'est raide pour le genou, je peux utiliser ma couverture et déposer le genou sur la couverture pour être plus confortable. Je m'assure que mon genou et mon talon soient sur une même ligne. Je dépose ensuite la main droite sur la cuisse. Et ici, je vais inspirer, redresser le dos. J'allonge le bras gauche vers le plafond et je pousse le bassin vers l'avant et légèrement vers le sol. Mais je continue à éloigner le tronc de ma cuisse pour vraiment bien sentir l'étirement. L'étirement, je vais le ressentir, juste le montrer de ce côté-ci, je vais le ressentir vraiment au niveau de l'avant de la cuisse et même vers l'aine un peu plus. Donc, c'est vraiment ici qu'on va vouloir sentir l'étirement. Inspire bien. À l'expiration, je veux ramener les mains au sol. J'ancre les orteils derrière. Je relève le genou. Je pousse bien dans mon pied droit et je referme les pieds largeur des hanches. Et je relâche de nouveau la tête en bas. Le poids bien réparti au niveau des pieds, autant à l'avant qu'à l'arrière. Je laisse la tête devenir lourde. Tranquillement, ici, je fléchis les genoux. Je dépose les mains au sol. Je veux glisser ici le pied droit derrière et je peux déposer le genou droit sur la couverture au besoin. Le genou gauche et le talon sont bien alignés. Je dépose ensuite la main gauche sur la cuisse. J'inspire, je redresse bien le tronc. Je pousse légèrement les hanches vers l'avant et vers le sol et j'étire le dos en gardant l'épaule basse. Respiration calme ici. Tranquillement ici, j'inspire. À l'expiration, je vais ramener les mains au sol. J'ancre les orteils au sol. Je relève le genou. Et je referme ici la position. Encore une fois, je relâche la tête en bas. Je laisse aller doucement. Je vais laisser les jambes s'allonger, se détendre, le dos également. Tranquillement, l'expiration, je fléchis les genoux. Je vais vouloir laisser la couverture de côté, donc on peut la pousser ici. Je vais allonger la jambe, déposer le genou. Je viens déposer l'autre genou pour ensuite juste venir m'asseoir tranquillement sur mes talons pour pouvoir m'installer confortablement au sol. Donc ici, je vous invite à vous asseoir sur votre couverture. On peut prendre le temps d'allonger les jambes au départ pour basculer un fessier à la fois vers l'arrière. Par la suite, on va vouloir prendre l'intérieur de la cuisse droite, redresser le genou et ouvrir la jambe vers l'extérieur. Même chose de l'autre côté pour venir coller les pieds ensemble complètement. J'amène la base des gros orteils en contact au sol, base du petit orteil ainsi que les talons. Ici, je me rends compte que je trouve que mes genoux, en fait, je dois forcer pour maintenir la position des genoux et qu'en plus, je sens vraiment que c'est inconfortable. Je peux utiliser les blocs pour venir déposer soit à cette hauteur-ci ou un peu plus bas, vraiment les genoux sur les blocs. Sinon, vous pouvez surélever un peu plus le bassin, donc ajouter un coussin supplémentaire. Je viens chercher en fait les jambes juste au-dessus des chevilles. Ici, j'inspire, j'étire le dos le plus que je peux. Le dos le plus droit possible, les épaules sont abaissées, donc vers le sol, menton vers la gorge. Et tranquillement, ici, je veux bien sentir l'étirement au niveau des adducteurs à l'intérieur des cuisses. J'expire, je vais vouloir juste pour dire m'incliner.
Si c'est possible, en gardant le dos droit. Donc, c'est important, on ne veut pas enrouler le dos. On veut vraiment étirer le dos le plus possible. Je respire vraiment calmement. Je prends le temps de bien sentir l'étirement au niveau des adducteurs. Donc, le regard est situé légèrement diagonal vers le sol pour maintenir la tête dans le prolongement du tronc. Tranquillement ici, je vais inspirer, redresser la tête, la poitrine. J'expire, je redresse le tronc complètement, je relève les genoux et je vais vouloir étirer les jambes devant. On va y aller avec la posture qu'on appelle Janu Sirsasana. Vous pouvez garder un bloc à ce moment-là. On va avoir besoin de notre sangle. Je vais mettre un petit peu de côté pour celui-là. Tend les jambes, on prend la sangle et un bloc. On va vouloir ici fléchir la jambe gauche. Donc, je vais tranquillement relever la jambe gauche. Comme tantôt, je vais l'ouvrir et venir déposer le pied vraiment collé contre la cuisse. Je peux placer le bloc sous le genou gauche. La jambe droite, elle est bien active. Je vais venir placer la sangle au niveau du pied. Tranquillement, ici, j'inspire. Je vais vouloir redresser la tête, la poitrine. Je laisse le nombril juste un petit peu se tourner vers la cuisse. Donc, petite rotation très, très légère du tronc. Et j'inspire, je redresse encore plus la tête, la poitrine. Pour expirer, incliner légèrement, comme c'est possible en gardant le dos droit. Donc, c'est très léger. J'incline le dos légèrement vers la cuisse. J'amène les mains un peu plus près des pieds pour avoir les bras bien tendus. Je tends bien la jambe et j'inspire, je redresse ici la tête, la poitrine. J'expire, j'essaie de voir si je peux aller un peu plus loin en gardant surtout ici, je porte attention. Le bas du dos, c'est quand même assez facile de le maintenir allongé si on pense à pousser les fessiers derrière. Mais souvent, on veut aller tellement loin qu'on enroule au niveau des épaules et ce n'est pas ce qu'on veut ici. On veut vraiment allonger le dos pour nous aider à venir chercher vraiment tout l'étirement de la zone postérieure du côté droit, donc à partir du pied jusqu'au cou, jusqu'à la tête qu'on vient étirer. Tranquillement ici, j'inspire, je redresse la tête, la poitrine, j'expire, je redresse le tronc tranquillement et je vais pouvoir enlever la sangle au niveau du pied. On veut s'installer de l'autre côté, donc on étire maintenant la jambe gauche, je vais transférer le bloc du côté droit et je prends le temps de fléchir le genou et d'ouvrir la jambe. Je dépose bien le pied en contact sur la cuisse, je m'assure que la jambe soit bien déposée, bien confortable. Si votre jambe se rend au sol, c'est correct aussi de ne pas déposer de bloc sous la cuisse. J'ai déposé la sangle au niveau du pied. Je prends le temps ici d'inspirer, de vraiment bien étirer le dos, d'allonger le dos au maximum et de tourner légèrement le nombril vers la cuisse. J'inspire ici de nouveau, je redresse bien la tête, les épaules, j'expire, je pousse les fessiers vers l'arrière et j'incline le tronc légèrement. Je prends le temps ici d'allonger les bras davantage, d'amener les mains plus près du pied. J'inspire, je redresse la tête, la poitrine et j'expire, je laisse le tronc s'incliner davantage si c'est possible. Menton vers la gorge, je prends le temps ici de respirer doucement. Je profite de l'étirement de toute la chaîne postérieure du côté gauche cette fois-ci. Je ressens à quel point ça fait du bien. C'est vraiment grâce à la respiration que je peux vraiment relâcher ici, donc profitez-en pour sentir vraiment que vous expirez lentement et qu'on inspire également aussi lentement. Tranquillement ici, j'inspire, je redresse la tête, la poitrine et j'expire, je redresse le tronc complètement. Je vais pouvoir enlever la sangle au niveau du pied. Laissez la sangle de côté. Enlevez le bloc et étirez les jambes. Je descends de sur la couverture puisque je vais vouloir revenir ici, en fait, me coucher sur le dos. Je prends le temps de me coucher ici sur le côté,
de transférer doucement les épaules au sol, les pieds pour basculer le bassin, sentir que je ne force pas avec le bas du dos ici. Je laisse les bras se relâcher de chaque côté, paume de main vers le haut. Je vais apporter les pieds près des fessiers. Les talons et les genoux l'un au-dessus de l'autre. Et ici, ce qu'on veut, c'est vraiment sentir les omoplates bien en appui. Donc, prenez le temps de déposer les coudes, d'ouvrir les épaules et de déposer les omoplates en contact au sol. On va vouloir faire la posture du demi-pont en mouvement pour apporter de la détente au dos, mais également travailler un petit peu les jambes. Les genoux doivent rester vers le plafond. Donc, on a l'impression qu'on serre les cuisses l'une vers l'autre, même si elles sont espacées. Tranquillement, je garde le menton vers la gorge, j'inspire ici, j'expire, je redresse le bassin, je pousse les pieds dans le sol et je relève légèrement le bassin pour former une ligne diagonale des épaules jusqu'aux genoux. Et je redescends ensuite tranquillement vers le sol à l'inspire. Attention de ne pas tourner la tête dans cette position-ci, vous pouvez vous faire mal au cou, donc gardez le regard vers le plafond. Tranquillement ici, j'expire, je pousse le bassin vers le haut. Je redresse tranquillement, j'active les abdominaux pour serrer la taille. Et je redescends tranquillement. Je vais le faire encore deux autres fois. Je bascule le bassin, je relève les hanches vers le plafond. Et je redescends tranquillement. Et je complète une dernière fois le mouvement. Et je descends ici complètement, le dos seul, le bassin. Je prends le temps de relâcher les bras, d'étirer ensuite tranquillement les jambes au sol. Une fois les jambes allongées au sol, je les espace et je vais juste les balancer un petit peu d'un côté à l'autre, ce que j'appelle les essuie-glaces. Je relâche ensuite tranquillement, je vais rapprocher un petit peu les pieds pour les garder largeur des hanches. Je relâche les bras, je relâche bien la tête, le dos. Je prends le temps ici d'inspirer. Et à l'expiration, je vais exagérer pour vraiment expirer d'un coup. Je laisse l'air ressortir par la bouche. Et je ferme les yeux ici doucement. Je vais refaire la même chose deux autres fois. Inspire. Soupir. Dernière fois. Et je laisse aller tranquillement tout le corps au sol. Et je reviens à une respiration plus naturelle, plus calme. Et je prends le temps de sentir la tête qui se détend au sol. Le cou également se relâche. Je laisse les bras se relâcher, les mains. Tout le tronc se détend également au sol, ainsi que les fessiers et le bassin. Je sens les cuisses devenir lourdes. Les jambes se détendent et les pieds se relâchent également. Je prends un petit moment ici pour ressentir comment je me sens actuellement au niveau de mes jambes. Est-ce que je les sens détendues? Est-ce que je sens les hanches plus relaxes, un petit peu plus souples? Que le bas de mon dos se porte bien également. Permettez-vous également ici de ressentir tout le bien-être qui est maintenant présent d'un bout à l'autre de votre corps. Les postures apportent du bien-être d'un bout à l'autre puisqu'elles ont un effet global. Même si plus spécifiquement, elle étire davantage les jambes. Il apporte tout de même de la détente à tout le reste du corps. Prenez le temps de ressentir à quel point, justement,
cette séance vous a fait du bien. À quel point vous êtes détendu complètement. Et laissez-vous porter par votre respiration. Doucement, je vous invite à bouger les doigts, les orteils. Laissez, si vous le désirez, le mouvement monter au niveau des bras, des jambes. Et si j'ai envie de m'étirer, je n'hésite pas à le faire tranquillement. Doucement, ici, je vais fléchir les genoux, déposer les pieds près des fessiers. Par la suite, je vais me tourner tranquillement du côté de mon choix, en position fœtale, et je prends le temps de me recroqueviller ici doucement. À l'inspiration, j'ai poussé les mains contre le sol pour redresser le tronc. Et je prends le temps de m'asseoir sur ma couverture, les jambes croisées, le dos bien allongé, les épaules basses. Je dépose bien les mains sur les cuisses. Et une fois bien installée, je prends le temps de refermer les yeux ici. Je prends un petit instant pour ressentir le bien-être présent à l'intérieur de soi. Je prends le temps de constater à quel point ça le fait du bien et d'apprécier tout ce bien-être. Et doucement ici, j'inspire. Et à l'expiration, je vais pouvoir ouvrir les yeux, prendre le temps d'immobiliser le regard. Et ici, je vous invite à inspirer, à allonger les bras vers le haut. J'expire, je laisse les bras descendre tranquillement. J'inspire de nouveau, j'étire les bras, j'allonge le dos le plus possible. Et j'expire, je laisse les bras descendre. Une dernière fois ici, j'inspire, je viens joindre les mains ensemble en haut. Et j'expire, j'apporte doucement les mains
au cœur. Namasté. Merci beaucoup pour cette belle séance. Je vous invite à pratiquer cette séance aussi souvent que vous en avez le besoin. Chaque fois que vous avez le goût de la faire, n'hésitez pas à démarrer la vidéo et à faire cette séance. Également, n'oubliez pas les autres séances. On a deux autres Data Yoga disponibles pour vous. Donc, amusez-vous à faire ces séances et à ressentir toute la détente. Donc, je vous dis à bientôt. Profitez vraiment du yoga. Ressentez le bien-être. À la prochaine!